Passons au sport sur les terrains de football. On a de nouveau entendu des chants anti-wallons ce week-end. Cela s'est passé lors d'une rencontre de deuxième division. Gérald Berry. Samedi, l'Antwerp en rouge reçoit l'Excelsior de Virton. La fin de match est houleuse. Virton se voit refuser un pénalty et l'Antwerp s'impose 2-1 sur pénalty. Au coup de sifflet final, les équipes s'expliquent et l'explication tourne à la bagarre. L'entraîneur de Virton, Sébastien Grandjean, en survêtement blanc, est agressé par un joueur adverse. Il y a un petit événement qui se passe avec Pivaljevic qui a été assez chaud pendant tout le match et qui m'a souvent fait quelques gestes. Et je voulais saluer l'arbitre. Et à ce moment-là, il est passé devant moi en me bousculant légèrement. Et dans les tribunes, la tension monte. Les supporters de l'Antwerp scandent Wallen, Buiten, les Wallons dehors et les joueurs anversois dansent. Et puis, c'est l'escalade avec une nouvelle insulte. Et les Wallons sont pédophiles, repris encore par les supporters anversois. Des images amateurs diffusées sur Internet. On est souvent accueillis avec de tels propos, donc... À mesure de les entendre et à force de les entendre, ça peut un petit peu taper sur le système, comme on peut dire. Et donc, j'ai voulu faire un geste collectif, posé. Donc, je me suis dit, on va tous se mettre assis, on va applaudir, tout simplement. Ce sera notre manière à nous de protester. Et si les insultes avaient été proférées pendant la rencontre, l'arbitre aurait pu arrêter le match, mais ce n'était pas le cas. Que faire alors? La question des sanctions se pose. Sur la base de la juridiction actuelle, l'Union belge de football ne peut sanctionner un de ses clubs, puisque ce club n'est, semble-t-il, pas responsable des déviances de ses supporters. Par contre, sur base de la loi football, le ministère de l'Intérieur ne pourrait-il pas sanctionner les provocateurs?